Topo. Chef. On a retrouvé le véhicule du tiré du bois. Un seul mot posé sur le siège avant. Ne s'est pas présenté au travail depuis 5 jours. Pas d'amis, pas de famille connue. J'ai pris sur moi d'envoyer l'équipe Sino pour fouiller le bois, plongeur pour le lac. Probablement un suicide. Bon boulot. Bon alors, résultat. Rien du tout. Rien dans les bois. Ok, je vais appeler la scientifique pour creuser. Émilie, fais-moi la triangulation du portable de Desbois sur les 7 derniers jours. J'ai les résultats de la géolocalisation du portable. Il borne pendant 20 minutes au même endroit que celui de Charlotte Lapierre, puis plus rien. Charlotte Lapierre, la veuve noire. Je connais cette bonne femme. Deux maris disparus, jamais inquiétés. Bon, je vais envoyer une équipe l'accueillir. On va la cuisiner. J'appelle le juge pour qu'il nous file toutes les autorisations. Merci, Émilie. Madame Lapierre, nous avons une disparition sur les bras. Nous avons retrouvé des traces de sang de cette personne sur le cri de votre voiture. Qu'avez-vous à nous dire? De qui parlez-vous? Je n'ai rien à voir avec cette disparition, je le connais à peine. Il m'a juste rendu service. On n'en est pas à votre coup d'essai, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rien eu à cacher. Avez-vous tué Thierry Desbois, Madame Lapierre? Pourquoi l'aurais-je fait? Je n'aurais rien tiré d'un tel geste. Vous ne vous en sortirez pas cette fois. Nous aurons de quoi vous faire tomber. Lieutenant, mettez-la en garde à vue. Vous avez besoin d'aide? Oui, j'ai crevé. Ouais, je suis en plein milieu de la campagne. Ça fait 20 minutes que je suis là, c'est toujours pas réparé. C'est la dernière fois que je rends service. Oui, c'est bon, il est enfin terminé, j'arrive dans une heure. Ah, plus de batterie. Adieu les cons et les connes.